Un jour, j'ai rêvé. Oui, un jour, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on ferait rencontrer un Super Mario Kart avec un jeu d'avion. Puis je me suis réveillé et il y avait SkyDrift Infinity devant moi. Et les mecs, ils m'ont dit, bah, exaucé, avec un bruit de harpe derrière. Est-ce que ça va être le cas réellement une fois le pad dans les mains? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans The Big Game of Ski. Les commandes, c'est fait pour commander. Ce sera le piton du jour. On aura le temps de tester, je pense. Voilà la partie intéressante du jeu. Oui, les bonus, les fameux bonus. Vous allez voir que c'est là que se trouve la familiarité avec l'équipe de Nintendo. Parce que c'est assez flagrant. À part que, on n'est pas en 4 roues, on vole. Il est temps, mes amis. Il est temps de monter à bord et de partir pour le tuto. Allez, le tuto, on est faible. Ça, c'est du tuto. Bienvenue dans le tutoriel de SkyDrift. La première leçon vous apprendra les bases de l'aviation. Ça va aller mieux. Utilisez le stick analogique gauche pour contrôler votre avion. Bien. Parce que là, ça va. Utilisez le bouton accélérer pour aller plus vite. C'est ce que je viens de faire, Dul. Merci. Non, mais il est gentil au début. Qu'il avance rien, c'est à cool. Parfait. Ouais, je sais. Je peux rentrer chez moi? Utilisez le bouton freiner pour ralentir. Pourquoi? Non, on comprend pas ça. Je connais pas. Voilà, ça s'est accéléré. Ça c'est turboté, ça c'est ralenti. Et ça c'est re-accéléré. Bien. Et ça c'est... Tous les avions disposent d'une propulsion momentanée. Vous pouvez voir le niveau de propulsion qu'il vous reste en bas à droite de l'écran. Ouais. Pour c'est utiliser cool. Votre propulsion, appuyez sur le bouton propulsion. Appuyons. Ah, c'était celui-là. Je savais pas. Cool. Voilà. Vous obtiendrez de la propulsion en effectuant des acrobaties, en détruisant d'autres avions, pardon, en défendant et en convertissant des power-ups. Voler près du sol augmente votre jauge de propulsion. Plus vous rasez longtemps le sol, plus vous accumulez de la propulsion. Vous pouvez aussi voler en position couteau. Cela vous aidera pour tourner et rentrer dans les espaces serrés. On va éviter. Orientez le stick analogique droit, à droite ou à gauche pour voler en position couteau. Félicitations, vous ferez un bon pilote. Oui, ça demande du talent. Ah putain de bordel de bite. Si votre avion s'écrase, vous réapparaissez aussitôt et pouvez reprendre la course. Non, j'ai arrêté le mode couteau, vraiment. J'ai plus envie. Arrête. Arrête, on va plus être amis. N'empêche, le jeu est pas moche. C'est rigolo. Maintenant, faut voir ce que ça va donner une fois qu'on aura des ennemis incorporés. Ouais, ça pourrait être terrible. Hein. Ah, mais il me fait repartir du début. Je vais vous remontrer la balance. Elle me fait pitié, là. Non, elle est bonne. Ok, je toucherai. Voilà, don't déconne ou de the shit. Oh putain, je fais quoi moi? Non, c'est nawak ça.
Action! Je suis Monsieur K, tu es bien dans The Big Game Husky. Aujourd'hui tu vas avoir un feeling, what a feeling! Tu vas voir ça tout de suite, regarde, avec cet avion. Cet avion qui a l'air innocent comme ça, mais qui bientôt va être dans des courses effrénées avec un Z majuscule. Et où tu vas te demander un peu ce que tu fous là, quoi. Genre, le plombier avec ses courses, on peut pareil, ça va être des pitchers. Alors faut vraiment garder appuyé en permanence la gâchette droite pour avancer, sinon ça ralentit. Là je relâche, c'est bon, je vais m'arrêter. Vous voulez prendre des noix de coco? Profitez-en, c'est le moment. Hop, on y va! Vais-je faire combien de tours? La question du jour est posée. Vous pouvez répondre au 36 75 17 17 22 93. Numéro surtaxé. En ancien franc. Et on maintient avec le stick droit et on dirige avec le stick gauche. Attends, regardez comme c'est glamour. Je vais passer dans ce chat. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un chat. Pourquoi? Parce que, écoutez bien quand on passe. Vous avez entendu? Oui, il miaule. Hop, hop, hop. Ah, calme. Ça passe tout seul. Sympa. Je me prends tous les trucs, j'ai l'impression d'être le souffre-douleur dans ce jeu. Est-ce que je me trompe? Et là, les deux pauvres. C'est bon, ça électrocute les autres, ça me rassure. You have taken the lead. Je crois qu'il s'est pris un truc. C'est violent là, c'est bien. Ouf. C'est violent, c'est bien, c'est bon d'esprit. Hein. Ah purée, je me fais électrocuter. Je me suis fait cramer devant les bonus. Défoncé.
merde. Alors les courses sont plutôt marrantes parce que bah ouais, on trouve un peu de Mario dedans avec ses bonus. La conduite est assez simple, c'est cool. Donc du coup on peut focus quand même sur les mouvements de crête qu'on peut faire. Ça m'a laissé des trucs mortels et je suis rentré dedans comme un cake. Ouh, ils sont énervés une fois qu'on a lancé la baston.
Ce fut pas mal. Ah, la campagne, ça vous gagne. Oula, tant 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 à trop faire le con. Oui, j'ai complètement zappé le circuit au démarrage. J'ai fait quoi? Pour l'instant, j'ai pas trop envie de leur tirer dessus parce que je suis cool. Oh, putain. Et ça va pas durer ma coulitude. Oui. Là, on prend pas les mines, c'est mieux. Ah, purée de saleté, de bordel de quoi. Je vais le rattraper, je vais passer un 7 quart d'heure avec moi. Surtout que j'utilise la force, je crois. Même la force va pas pouvoir me sauver. J'en prends plein les mirettes. Oh, j'ai raté tous les bonus. Je l'ai eu dans quoi à votre... Oh là 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 là. Tous ces os du corps qui pourraient être nommés. Oui, les os finissent souvent en vue. Il faut le savoir. Je sais pas qui j'électrocute, mais j'espère que ça va marcher. De plein cœur. Ah, oui. Ah bah j'ai fait ce que j'ai pu. Ce fut douloureux, pénible et à plein d'ingratitude. Ou d'ingratation au choix. Hop, je suis ciblé. Comme ça. Oh, il m'a piqué sous le nez, celui-là. Pas bardé. Des cocos. Des cocos. Plus personne veut jouer, du coup, maintenant qu'ils savent que j'ai un missile. Et deux. Il s'est fait truffer, lui. Oui, c'est un truffé, une spécialité de la maison. Non, je voulais pas ça. J'ai taken the lead, mais hop, 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 à chaque fois je me pine ici. Bon, du coup, c'est un passage bonus parce qu'il l'accorde. C'était plutôt gentil. Putain, pardon, c'est mis. Mes bonus, j'ai jeté mes bonus, je préférais, mais il va falloir que je trouve de quoi me réparer, et ça tombe bien, c'est droit sur mon chemin. Ah, la stratégie de course, excellent. Choose wisely. Oh, lui il va me faire, hein. On va le laisser devant. Oh, il va faire le malin. Coco, vas-y, fais nourrir. Ça, c'est piège. Tu m'étonnes. John. Les mines restent de tour en tour, c'est traître. Faut pas se faire avoir. Last elimination round. Ça se passe bien là, trop bien. Étrangement bien. J'ai pas regardé les tours, rien. Je ne prends plus de bonus, je suis la frime incarnée. Barreau d'honneur. Quoi, on n'est pas arrivé? Quelle foutaise. Oula. Ah, il m'a ramené dedans, ce con. Oui, il voulait vraiment qu'on passe dans le complexe. Oh, le fumier. Attends, 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 on comprend rien, ton circuit.
Deux secondes, faut que je me chauffe. Putain, la mine, c'était sympa ça. Démarrage assez chaud d'ailleurs. Meme. Oula. Descends. Ah là, elle est bien placée celle-là. Par contre, je sais pas si je vais survivre. Oh purée. Faut les connaître, les arches. Oh vacherie. Oh, et l'autre qui nous carbure tous là. Mon avion va péter avant même que j'ai fini mon premier tour. Je m'avais dit. Les gens n'écoutent pas. Je suis dans l'étoile noire. L'autre qui me pique le bonus sous le blaze. Oh là là, passer dans des couloirs, c'est chaudard. C'était pas pour la rime, c'était vraiment parce que ça faisait mal. Ah, ça mouche plus là. Oula. This is the last lap. Oh la mine, comme elle était placée. Mais quelle fourberie. Ouh là là. Il y a des événements spéciaux. Et ben voilà, arrivé premier avant, maintenant quatrième. Je rééquilibre en fait les forces.
Voilà. Ah, il me rappelle Split Second aussi. Bah, pour l'histoire des décors qui se cassent la gueule. C'est assez rigolo. Je croyais que ça passait là. J'avais pas prévu ça. Voilà, ça se coupe. Hein. Oh là là, c'est bien long. Ils sont pas ultra violents, mais ils sont fourbes quand on est dans les longs. Oh la mine, c'était pas loin. Non, t'as gros à droite, à chaque fois. Vous ne pouvez pas monter trop, sinon le jeu vous sac immanquablement. C'était bien la peine de se réparer, bravo. De toute bonne taille. Là, on est vraiment obligé de passer dans celui-là. Allez, j'ai essayé le côté. On va se tenter. À droite, dans notre Zeus, à chaque fois, ça fait le coup. J'ai un problème avec ce virage, je le vois pas venir. Oui, alors? Juste après le film. Dégoûté. Non, 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 non. Oh, cette panique. C'était pas terrible, terrible. Là. Ah, je croyais qu'on pouvait tourner par la gauche ce truc, et apparemment c'était pas trop le cas. Quoi. Ah, le virage était fourbe.
Ah, c'était bien tenté. Parfois, le plus simple, c'est mieux quand même. Hein. On va dire ce qu'il y a. Deuxième, on retrouve les bonnes habitudes, ça va mieux. Je jette juste un œil. Hein. On a des killers. On va essayer, hein. T'attends le film. Elimination starting.
hold down. Bien placé. Ils sont vraiment rigolos comme ils placent les pièges, les bottes. C'est ils auront droit quoi. Et je l'ai senti celui-là aussi. Alors le jeu est rigolo parce qu'il y a une espèce de stratégie qui se développe au fil des tours avec les différents concurrents. Oh, oh comme il m'a largué la mine sous le blaze. Et du coup, il y a une espèce de challenge interne qui se met en place. Oh dommage. Alors peut-être le souci c'est qu'on va pas devenir de par derrière les différentes menaces, ça aide pas ça. Mais sinon ça reste très drôle. Oh là, j'aurais pas dû passer là-dedans. Oh la vache la violence. Il faut que je passe là-dedans. Pourquoi? Pour rien. Ouais, j'ai fait que ça. Overtake someone. Putain. You were eliminated. Course à l'élimination, ça n'a pas pardonné. En tout cas, c'était bien drôle. Ça a l'air méchant. Par contre, sans Balza, il va falloir faire gaffe un peu. Race starting. Le vaisseau des kékés. Moi par mon virage tête de nain. Oh la vache. Cruauté, j'écris ton nom. Ah putain, à chaque fois je me plante. Je savais qu'il y avait un petit problème à un moment.
Oh là là. Il y a un tout petit passage en bas à gauche. Faut le voir. Oh mais attends, tu m'en mets pas là. C'est chiant ça. Voilà. Ouais, les missiles, ça pardonne peu. Oh, les mines, ils ont le talent quand même de les poser pile là où il faut pas. Oui, je vais lui rendre son missile, oui. En tout cas, le jeu reste très drôle. Parce que le principe de course est totalement respecté. C'est rigolo. Et du coup, ça fonctionne terriblement bien. Et c'est ça qui est vrai. Quatrième, quel homme. Et du coup, ce Sky Drift, bah, c'est une réussite totale. Parce qu'en fait, c'est un mix entre. Ouais. Split Second. Et puis un Mario Kart en version aérienne. Et. C'est assez incroyable que ça fonctionne à ce point-là. À recommander à tous les fans de course. Il y a un truc qui aurait peut-être pu être plus rigolo, c'est pouvoir permettre de customiser les ingles. C'est-à-dire, bah moi j'ai pas changé, hein, je comprends même. Et peut-être qu'en permettant la customisation. Tourne. Oh, cette quête. Tourne. J'ai des problèmes avec certains virages encore. Où je suis, oula, on voit rien. Non, ça c'était pas très bien à faire. Oh
Oui, j'étais concentré sur autre chose. Je crois que ça c'est mieux après. Si Monsieur K ne gère que par les Sidewinder, un petit peu, ouais, je crois. Ah, mais c'est celui-là à l'envers. Oh putain, j'avais pas prévu ça. Bordel de bordel. Là, je crois qu'il va y avoir un virage pas sympa. C'est le bordel. C'est très violent. Et alors avec le parcours totalement tordu, ça arrange pas. Ouais, chacun pas de jaloux. On est pas fringant ça. Quelle tristesse. Alors le coup des mines c'est quand même très très drôle. Ça marche toujours dans les jeux. Hop 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 bordel. Popoy, popoy. Merde, je suis où moi? J'ai peut-être tourné un peu tôt, je crois. Le mec il s'est totalement égaré sur une carte qui est des plus simples à suivre. Ah, descend! Mais il y a quand même de sacrés virages à des moments. Troisième à l'arrache. Ralentir là les gars, non. C'était sûrement pas le bon choix ce zin, mais il fait quand même. Ouais, on a remarqué. Il le fait. Il le fait.